Philippe Grandier et Nicole Brenes. Nicole Brenes et Philippe Grandier. Philippe Grandier es director, es realizador, aparte de haber trabajado con Raúl Ruiz, es autor de varias obras, entre ellas Sombra y La Vie Nouvelle, que es un poco el eje sobre el cual, en fin, intuyo que va a versar el diálogo a dos que vamos a tener esta noche. Después del cual, en su hora, se va a proyectar La Vie Nouvelle. Nicole Brenes es una analista, crítica, historiadora de reconocido prestigio en Europa. Estaba pensando mientras venía para acá que me tenía que guardar una parte de la presentación para mañana, porque Nicole Brenes va a estar mañana haciendo la ponencia marco por la mañana. Pero además de ser profesora de universidad y, por tanto, y enseñante, es autora de ensayos capitales, yo creo, en el terreno del análisis fílmico, por un lado sobre una historia del cine experimental, por otra un estupendo, increíble, además, estudios sobre el cuerpo, y lo digo y lo subrayo, ya que en la mesa anterior con Víctor Erice se analizaba la figura y el cuerpo, o se proponía un estudio, una necesidad de reivindicar la figura y el cuerpo a propósito de Pasolini. Pues Nicole Brenes ya escribió sobre eso, y se da la circunstancia además que en una relación de complicidad se estableció un libro, o se escribió un libro, o se reunió una serie de críticas en torno a La Vie Nouvelle de Philippe Grandier, un libro coordinado por Nicole Brenes sobre el film, que es también un estudio muy particular y muy, muy pertinente, no solo sobre el film, sino sobre qué cine hacer hoy, que es una de las propuestas que cabalgan todo este congreso. Por tanto, os dejo con la pareja Nicole Brenes, Philippe Grandier. Recuerdo, eso sí, que a las 8:15 empieza en el hall las elegías de Sokurov, la Tarkovsky y las elegías de San Petersburgo, y que a las 10:30 aproximadamente se proyectará La Vie Nouvelle de Philippe Grandier aquí en el auditorio. Gracias. Merci, merci beaucoup. Gracias. Dominique, bonjour. D'abord, je voudrais, s'il vous plaît, m'excuser de ne pas parler espagnol. Je suis vraiment confuse. Donc, je pense qu'il faut des petites boîtes de traduction. Je remercie beaucoup les traductrices et traducteurs. Et je vais essayer de ne pas parler trop vite. Alors, je voudrais d'abord dire à quel point ce colloque me semble de très très haute qualité. J'avais un petit peu peur d'un congrès sur le cinéma européen comme d'une chose très institutionnelle, très sur la logistique du cinéma. En France, c'est comme ça que ça se passe. Dès qu'il s'agit de cinéma européen, on parle exclusivement de subventions et de pouvoir. Et je suis très émue de voir à quel point ici les questions de contenu et aussi de la qualité, bien sûr, des œuvres et des cinéastes que Domenech a convié. Je trouve ça absolument exemplaire. Alors, tout à l'heure, l'un de nos prédécesseurs parlait du pays du cinématographe. Je serai encore un petit peu plus précise, parce que le cinématographe, c'est tout, justement. C'est à la fois Spielberg et Victor Erice en même temps. Et moi, je pense qu'ici, ce dont il s'agit, c'est du pays de la cinéphilie. Et je ne connais pas la plupart des cinéastes qui ont parlé tout à l'heure, à part Monsieur Erice. Mais quand ils se mettent à parler de Godard ou de Bresson ou de Renoir ou de Bazin, eh ben effectivement, je vois qu'on parle la même langue et qu'on est dans le même pays, le même territoire. Alors, Domenech m'a convié, je pense, essentiellement pour présenter l'œuvre de Philippe. Alors, je vais juste en dire quelques mots maintenant, et puis ensuite, on va voir des images, parce que je pense que ce sont des films qui n'ont pas suffisamment circulé. Donc, pour incarner un peu notre discussion, notre dialogue, on va voir 5 minutes de La Vie Nouvelle. Donc, Philippe a commencé par
réalisé de très nombreux essais et types d'essais dans le cadre des services de recherche de la télévision française, parce que même à la télévision, il peut se passer des choses intéressantes. Et puis, il est passé à la fiction, au cinéma de grande fiction, avec donc Sombre, que Dominic citait tout à l'heure. Et si vous ne l'avez pas vu, et s'il faut le résumer en une toute petite formule, c'est un film, disons, de genre, mais c'est un film dont le héros, qui est une sorte de psycho-killer, rencontrerait l'œuvre de Stan Brockage. Hein, donc c'est une sorte d'antipode, a priori, que l'écriture, le style, le souffle de Philippe refont et recréent totalement. Et après cet événement de cinéma, qui a été un choc pour l'ensemble des cinéphiles français, donc après Sombre, où on voyait en quelque sorte que le cinéma pouvait être tout en même temps, du cinéma de genre et du cinéma expérimental et du cinéma d'artiste et de plasticien et du cinéma d'auteur, donc un film total, et ben on s'est tous demandé ben, qu'est-ce qu'il peut faire après. Et après, donc 2 ans plus tard, il a fait La Vie Nouvelle. Et La Vie Nouvelle, c'est un film qui est une sorte d'incroyable passage à la limite, qui en quelque sorte porte en lui toute la culture visuelle de l'avant-garde, et bien sûr beaucoup plus que ça, puisqu'il ne s'agit pas non plus du tout d'un film récapitulatif, d'un film panthéon, d'un film memento mori, si on peut dire. C'est un film véritablement nouveau. Et comment dire, l'événement second, si je puis dire, qui tient à La Vie Nouvelle, c'est que avec son exigence absolue de novation, de radicalité, dont on va parler après du point de vue du contenu, pour autant, il s'agissait pour une fois, disons, de ne pas abandonner la sphère publique et donc de passer ce film-là, et il a été produit comme tel, dans les circuits d'art et d'essai traditionnels. C'est-à-dire qu'un film purement d'avant-garde, pour une fois, avait accès et se donnait accès lui-même aux circuits commerciaux. Et donc il passait dans des circuits commerciaux traditionnels. Voilà, c'est comme, disons, il faut penser à ce moment-là à l'histoire du cinéma tout entière, et c'est comme si, par exemple, Jean Epstein, un film de Jean Epstein, d'avant-garde, parce qu'il a aussi fait des films alimentaires commerciaux, un film de Jean Epstein, par exemple, L'Or des Mers, ou bien La Chute de la Maison Huchère, passait dans des circuits Gaumont. Hein, c'est ce pari esthétique fou, que le film le plus radical qui soit puisse quand même avoir accès au grand public, qu'a tenu la Vie Nouvelle. Et c'est aussi pour ça donc qu'on a rédigé un livre à ce sujet, mais après la sortie, bien sûr. Donc voilà, je pense que pour incarner un peu le débat, la discussion, on va vous montrer 5 minutes, juste un petit échantillon du film. Là, vous allez voir un petit échantillon donc en DVD. Et ce soir, bien sûr, le film sera projeté dans son format original, c'est-à-dire du 35 mm. Voilà.
Voilà, on stop, on peut s'arrêter, je crois. Est-ce qu'on peut arrêter la projection ? Voilà, un tout petit bout. Un peu trop sombre d'ailleurs. Ouais, pas assez fort. La lumière n'était pas suffisante et le son pas assez fort, mais voilà, ça vous donne une idée un tout petit peu du film. Alors, je voudrais en dire quelques mots, juste comme ça pour que Philippe se remette et puis lancer peut-être une question et ensuite je lui laisse la parole. Alors, la dernière fois que j'ai vu ce film projeté, c'était à la Cinémathèque française et je me suis aperçue que probablement ce qu'il fallait en dire pour que le film soit recevable d'une certaine façon, parce qu'il est fait pour ne pas être recevable d'une certaine façon, c'est que pour le regarder, il fallait abandonner tout ce que l'on croyait du cinéma. C'est le minimum intellectuel requis pour pouvoir recevoir ce film. Il faut... Voilà, quand on est cinéphile, on a vu beaucoup de films, on a une culture, un bagage, des attentes, des horizons, des réflexes et des désirs. Et ben, voilà, il faut tout abandonner pour pouvoir faire l'expérience de la vie nouvelle. C'est-à-dire qu'entre autres, attentat très violent que produit le film, c'est un film qui refuse la catharsis. C'est-à-dire, c'est quand même cette exigence de plaisir et de décharge émotionnelle qui, en quelque sorte, traverse quand même tout le champ du cinéma, que ce soit le cinéma industriel, qui subordonne en quelque sorte toute son économie esthétique, si tant est que le mot soit pas trop fort, à la recherche du plaisir, aussi trivial soit-il, mais aussi le grand cinéma d'auteur, l'émotion, etc. Et donc, la vie nouvelle, en ce sens, c'est un très profond attentat à la recherche du plaisir. Parce que ce n'est pas du plaisir qu'on trouve dans ce film, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus probablement intéressant. Et pour le dire vite, c'est une sorte d'expérience psychique totale. Donc qui ne se réduit pas à la simple décharge émotionnelle. Alors, La vie nouvelle, c'est un film très savant. C'est un film, par exemple, qui tisse le lien, j'ai plaisir à le rappeler à cause de ce qui se disait tout à l'heure, entre Saint-Paul, Dante et puis Marx. Et j'ai plaisir à le rappeler parce que nos prédécesseurs parlaient beaucoup de la chute du cheval et puis voilà, ils étaient marxistes. Et c'est exactement cette culture-là qui s'agit. Et à ce titre, c'est un film, je trouve, européen tout à fait exemplaire parce que donc c'est un film français qui est tourné en Bulgarie. C'est ça, en Bulgarie, et qui est non pas du tout l'adaptation, mais l'actualisation donc de la Divine Comédie, donc d'un poète italien qui récapitule la mythologie judéo-chrétienne. Et cette actualisation de Dante, elle est entamée à la lumière d'un philosophe français qui est Gilles Deleuze. Mais ce philosophe français, il est évidemment totalement sous l'influence d'un génie allemand qui est Friedrich Nietzsche. Et dans le film, La vie nouvelle, il s'agit en aucun cas d'une accumulation d'autorité. C'est-à-dire que voilà, ces noms-là, je les lance dans l'espace, mais ils ne sont pas dans le film, nommément, pas du tout. La vie nouvelle, c'est au contraire la circulation sensible. Il n'y a pratiquement aucun mot dans le film, il n'y a pas de verbe, on ne passe pas par le verbe. La circulation sensible de ces grandes nappes de pensée donc européennes qui nous habitent et qui nous informent. Et deuxièmement, donc, après le fait que ce soit un film extraordinairement cultivé, mais dans le bon sens du terme, pas au sens d'un chantage à la culture, mais dans le sens d'une imprégnation savante, c'est en même temps, donc, deuxièmement, un film sur le plus archaïque, le plus corporel, si on peut dire, et aussi le plus angoissant des sujets, c'est celui-ci, d'où vient la violence ? D'où vient la violence qui fait qu'on ne peut pas vivre ensemble et que, par exemple, en Europe, le XXe siècle, c'était des guerres déchirantes, c'était l'horreur absolue, c'était la logique des camps, de l'extermination.
Et aujourd'hui encore, c'est ça que, dont parle le film du point de vue de ses motifs, c'est des logiques d'esclavage à l'Est, hein, de vente des corps, de prostitution intensive, de mafia, etc. Donc d'où vient la violence ? Il n'y a pas de sujet plus urgent dès qu'on parle d'une possible communauté humaine. Et une des réponses du film, je ne veux pas vous les mâcher, mais ils ont donné des pistes, une des réponses, c'est que la violence, elle vient de ce qu'on ne comprend pas les phénomènes. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, et en quelque sorte, le contact, au contact de cette incompréhension, l'angoisse naît, et de l'angoisse naît la violence. Et du coup, si je puis dire, le corps de la vie nouvelle, c'est exposer, donc de façon pas du tout didactique, hein, encore une fois, de façon purement sensible, comme vous pouvez le deviner à la vue de cet extrait, toutes les façons par lesquelles on ne comprend pas le monde, ce qui en fait un film extraordinairement complexe et un film incroyablement audacieux et compliqué, parce que, voilà, comment mettre en scène, comment figurer la façon dont, en l'occurrence, un personnage ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, il fait toutes les expériences de la transe, du sommeil, du rêve, de l'ivresse, de la bêtise aussi, de l'opacité. Et parmi ces transes, eh ben, il y a une des plus courantes et en même temps une des plus profondes, c'est probablement celle de l'amour et du désir, bien sûr. Alors, voilà pour une deuxième dimension du film, l'archaïsme profond de ces enjeux. Et puis, je pense que vous le devinez, mais sa troisième dimension, c'est que c'est un film qui remet, je dirais, en jeu tous les paramètres cinématographiques. À commencer par le récit, c'est-à-dire qu'il y a une conduite narrative, mais qui n'a rien à voir avec tout l'habituel, disons, aristotélisme, avec toutes ces déviations, ces variations, ces négations, ces critiques. On sort totalement de la sphère d'influence aristotélicienne, donc y compris dans ses versions négatives. Donc, nouvelle conduite du récit, nouvelle plastique, nouvelle logique figurative, rapport au son très novateur, le rapport au sens, à l'intelligible, et le rapport à l'émotion. Tout est totalement bouleversé tout le temps et en même temps, ce qui en fait un film incroyablement complexe. Et comment dire, cette refonte des paramètres cinématographiques, elle vient aussi, bien sûr, d'une refonte de l'organisation pratique même du tournage d'un film. Et ça, Philippe va nous en parler, bien sûr. Donc, pour finir sur ces quelques propos introductifs, c'est un film qui me semble répondre tout à fait aux problèmes posés par ces rencontres aujourd'hui, parce que c'est un film de passage à la limite, mais bien au-delà de la question des genres et de la question fiction-documentaire. Et c'est un film, en quelque sorte, qui montre que encore aujourd'hui, donc c'est un film qui date d'il y a deux ans déjà, je crois, c'est un film qui montre que même aujourd'hui, alors qu'après tous les discours sur la mort du cinéma, etc., on peut tout exiger du cinéma tout le temps. Tout exiger du cinéma tout le temps, c'est cette exigence absolue qui me semble à l'œuvre, qui a été à l'œuvre pour une fois et de façon tellement magistrale et rare. Et c'est, je pense, pour ça que aussi le cinéma européen reste absolument vivant, parce que voilà, c'est une exigence esthétique transcendantale, mais au sens fondamental. Hein, donc voilà, un film qui soit une fable, un essai, une expérience. Alors, c'est un film qui pose énormément de questions et je dirais très très précisément, par exemple, pour prendre une question très simple sur l'Europe, c'est un film qui prend, disons, l'Europe du point de vue de son existence pratique et quotidienne, c'est-à-dire pas l'Europe institutionnelle, mais simplement quand un citoyen d'un pays et qui est cinéaste regarde, écoute, essaie de comprendre les citoyens d'un autre pays, donc en l'occurrence les pays de l'Est, et il va les regarder avec attention, avec amour, et c'est donc l'enjeu de la vie nouvelle. Donc la question que je voudrais lancer à Philippe, mais il n'est pas obligé d'y répondre, mais voilà, juste parce qu'on dialogue ensemble, est-ce que, donc pour toi, à quoi ça sert d'aller faire ces images, à quoi ça sert de faire du cinéma ? Probablement, de faire du cinéma, ça sert à être vivant, c'est-à-dire ça sert
à entendre en soi l'énergie vitale, quoi, qui fait que le soleil se lève, que les océans sont là, que les forêts sont déployées, que les animaux sont présents avec nous. Je pense que le cinéma, il nous met en contact avec un monde extrêmement concret, avec une très grande présence, quoi. C'est la puissance du cinéma, c'est de saisir la présence quasiment ontologique des choses, quoi. C'est l'être là des choses qui se filme. Et je pense que c'est un moyen, c'est plus qu'un moyen, c'est un chemin qu'on parcourt comme ça un peu de façon éblouie ou à l'aveugle, quoi. C'est un chemin en tout cas qui nous permet de saisir et d'entendre comment on est au monde, comment on est placé dans le monde, comment on est en relation avec ce qui est là devant nous, quoi. Et La Vie Nouvelle probablement est un film qui a été fait à la fois de façon, je dirais, c'est Fassbinder qui disait ça, qu'au fond il n'y a pas de possibilité réellement que les histoires viennent de nulle part. Enfin, les histoires, elles viennent forcément de la réalité, du réel, de ce qui est là devant soi, quoi. Moi, j'étais à Sofia, en Bulgarie, j'ai vu le pays, un pays totalement fracassé, aux mains d'une mafia extrêmement brutale, pas du tout civilisée, comme pourrait l'être la mafia sicilienne. C'est une mafia très, très sauvage. C'est un pays d'une grande sauvagerie, d'une très, très grande beauté en même temps. Les forêts ne sont pas praticables, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route. On n'a même plus idée de ce que c'est. Quand on se promène dans une forêt en France, c'est un parc national. Là-bas, les forêts sont sans accès. Il y a des loups, il y a des ours. Et il y a une présence comme ça, d'une telle intensité des choses que cette dimension chaotique, au fond, enfin, que j'ai pu ressentir quand j'étais là-bas il y a quelques jours, m'a donné comme la possibilité d'enclencher dans un chaos comme ça, je dirais réel, enfin, d'enclencher quelque chose qui serait de l'ordre d'un chaos psychique, quoi. C'est quelque chose qui serait de l'ordre d'une espèce d'intensité comme ça, de sensations extrêmement vives, extrêmement difficiles, extrêmement problématiques. Les relations entre les personnages ne sont absolument pas construites. On ne sait pas du tout quel type de relation les lie. On ne sait pas si c'est un père, un frère, un ami. On ne sait pas s'il y a une forme d'homosexualité entre les deux hommes. Tout est constamment perturbé, tout est comme sous un climat accéléré par un ciel, sous un grand vent. C'est un film qui est fait avec beaucoup de vent, enfin, beaucoup de j'espère, enfin, beaucoup de souffle, comme ça. En ce sens-là, il est effectivement sous le signe de Nietzsche et de Deleuze, quoi, sur cette question d'intensité, enfin. Mais quoi, on fait du cinéma probablement pour ça, pour être en contact avec cette chose qui est portée à l'intérieur de nous-mêmes, quoi, et qu'on projette sur, et qu'on projette sur le monde, quoi, qu'on projette sur l'extérieur, sur les corps, sur les acteurs. C'est pour ça que je comprenais pas trop la discussion préalable, moi, parce que je fais les acteurs, les non-acteurs, enfin tout ça, c'est au fond, d'une certaine manière, c'est la question de la présence, quoi. Et de l'énergie que l'on déploie pour que cette présence soit saisie par la caméra et ensuite par le travail du montage et toutes les élaborations successives qui permettent que le film existe, quoi. Mais... Alors, justement, nos prédécesseurs ont beaucoup opposé... ont beaucoup retravaillé cette distinction un peu ancienne déjà entre un cinéma qui serait un cinéma du réel d'un côté et un cinéma qui serait un cinéma du montage de l'autre. Et cette distinction, ton esthétique en tout cas, l'a fait totalement exploser. Oui, parce que pour moi, je parviens pas à penser le cinéma de cette façon-là, quoi. Je l'oppose pas sur ces terrains-là. Enfin, c'est... Les questions qui m'importent sont des questions, au fond, liées à des problèmes qui
concerne à la fois la sensation et l'émotion. Enfin, La Vie Nouvelle, c'est un film qui est vraiment sur des questions de sensation. C'est-à-dire presque comme si c'était un film fait par un nourrisson, par un tout petit bébé. C'est un film fait par un tout petit bébé, La Vie Nouvelle. C'est-à-dire que c'est fait au moment où il n'y a pas encore la possibilité de mettre des mots, de symboliser les affects, de symboliser les émotions, de symboliser ce qui nous place dans le monde. C'est un film qui est fait dans la pure sensation des choses qui sont présentes, qui sont là devant nous. Et au fond, en ce sens-là, les questions qui appartiendraient aux distinctions entre le réel, le documentaire, la fiction, tombent par une définition. Enfin, les questions sont plus, au fond, sur les questions de l'image, c'est-à-dire de ce que c'est qu'une image, au sens fort du terme, de ce que c'est que ce rapport que nous avons avec le visible, que nous entretenons avec le visible. Qu'est-ce que c'est que ces premières images qui nous ont parcourues, dont on se souvient pas, dont on ne peut même pas se souvenir probablement, si ce n'est que c'est le corps qui est transporté, la tête qui est trop lourde, le ciel qui apparaît, un éclat trop vif de la lumière, puis ensuite tout s'obscurcit, puis à ce moment-là on entend peut-être des voix, il y a peut-être une sensation très chaude ou au contraire très froide, il y a une espèce d'accès au monde qui est purement lié au sens, purement lié à la surface de la peau, à la manière dont les organes fonctionnent à l'intérieur du corps, probablement le lait qui coule à l'intérieur du corps, et comment il doit nous sembler, peut-être avec une chaleur particulière, et puis à ce moment-là, peut-être qu'on entend quelque chose d'un peu trop fort, d'un peu trop vif, et puis à ce moment-là, peut-être que la lumière s'éteint parce que c'est la fin du jour, et puis une immense mélancolie. On ne sait pas tout ça, et en même temps, ça fonde la totalité du visible. C'est comme une opération qui tisse l'image, qui la constitue en tant qu'image, qui nous constitue dans l'image. C'est bien au-delà des divisions entre le réel et l'imaginaire. C'est bien au-delà, c'est beaucoup plus puissant. Et je pense que le cinéma, en tout cas moi le cinéma qui m'intéresse, c'est un cinéma qui à un moment donné se saisit de ces questions-là d'une manière ou d'une autre, et qui justement essaye de nous placer face à l'image dans une très grande, probablement d'une très grande solitude, mais qui en même temps nous donne accès pour le coup à quelque chose qui a à voir avec cette sorte d'oubli ou d'enfouissement, d'archaïsme comme ça, des premières préfigurations possibles, des premières images possibles, des premiers corps comme ça entrevus dans une sorte d'épaisseur, voilà, d'opacité. Ben, ce qui me frappe en t'écoutant décrire, disons, les enjeux du film, c'est que cette ambition, d'une certaine façon, elle rejoint l'ambition d'un autre cinéaste, un autre de mes cinéastes de prédilection, alors qui est américain, qui est Abel Ferrara, mais sauf qu'aux États-Unis, Abel Ferrara, il passe pour un cinéaste italien, un peu comme dans les années 60, John Cassavetes était considéré comme un cinéaste grec. Et donc les historiens grecs le considéraient comme un cinéaste grec en exil, en fait. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui le retient ici. Et tous les deux, et donc curieusement pour votre prochain film, tous les deux vous avez le même producteur, tous les deux vous avez cette exigence vitale par rapport à ce que ce serait que faire des films, telle qu'il faut que chaque image ait la nécessité d'une image mentale. Alors, chez Ferrara, par exemple, ça prend l'aspect du délire. Hein, c'est un grand, grand cinéaste du délire. Chez toi, c'est plus un travail sur l'inconscient, j'ai l'impression. Comme si des images quand même concrètes, objectivables, donc qui sont sur un écran, pouvaient avoir la nécessité des images, entre guillemets, qui hantent notre psychisme sans qu'on le sache. Qui est une ambition folle, d'une certaine façon. Oui, sans doute, c'est une ambition folle. Ouais, à l'entendre, effectivement, ça semble assez... Disons que, en tout cas, les questions n'étaient pas exactement les mêmes pour Sombre et pour La Vie Nouvelle. Je pense que pour La Vie Nouvelle, le film a vraiment été, comment vous dire, comme arraché, enfin, de terre, d'une certaine manière. Enfin, c'est un film... Je cadre mes films
Donc, pour la vie nouvelle, je ne voulais pas voir les roches. J'ai vu aucun roche pendant tout le tournage, ce qui semble absolument aberrant. Habituellement, les metteurs en scène ne souhaitent pas que les acteurs, que les équipes techniques ou que voient les roches. Et moi, c'était l'inverse. Les roches, n'importe qui pouvait les voir. Il n'y avait aucune forme comme ça d'interdit sur les roches. Il y avait une salle où c'était projeté, ils pouvaient voir les roches. Moi, je n'ai pas vu une seule image pendant tout le tournage. Et la monteuse commençait à travailler pendant que je tournais. Ce qui fait qu'au fond, d'une certaine manière, c'était comme rentrer dans une sorte de monde éblouissant, très éblouissant, enfin très, très enivrant, très, très dévastateur. Que c'est comme si l'œil avait été tiré dans un monde à la fois dévasté et dévastateur, et qui me permettait comme ça de m'approcher probablement d'une sorte de bruit de fond, enfin, une sorte d'écho comme ça qui resterait d'une catastrophe initiale dont on n'aurait plus aucune trace, si ce n'est qu'elle se dépose comme ça sans cesse sur l'intensité lumineuse, sonore, le rythme du montage, la qualité des corps, la manière extrêmement difficile qu'on a, sans doute, la façon dont le film nous place de façon très très délicate quoi, avec nous-mêmes. Alors, en ce sens-là, je pense qu'effectivement, il y a comme une espèce de... Oui, quand on parle de Dante, oui, c'est ça, c'est la forêt obscure, quoi. C'est un chemin dans la forêt obscure que j'ai mené comme ça, aveuglé, enfin, sans pouvoir voir. Quand je cadre, il y a... Quand on parlait de corps tout à l'heure, mais c'est la totalité du corps qui cadre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'œil qui cadre. C'est très réducteur de penser que c'est l'œil qui voit. C'est la totalité du corps qui saisit le visible. Et voilà. Alors, parmi les choses, je dirais que ton œuvre dialectise et fait exploser. Donc, une distinction revenait tout à l'heure avec Victor Erice, ce serait la distinction entre l'argentique. Donc qui reste qui permet encore l'avènement de l'aura en termes benjaminiens, et puis donc l'électronique qui la ferait disparaître. Or, que ce soit Sombre ou La Vie Nouvelle, ce sont des films où tu hybrides vidéo et argentique, en fait. Dans Sombre, oui, dans La Vie Nouvelle, non, il n'y a que du 35, mais dans Sombre, il y a du 35 et de la DV, mais surtout, moi, je ne perçois pas vraiment Bien sûr qu'il y a une différence, bien sûr qu'il y a des problématiques sans doute différentes, enfin, notamment sur les questions de durée. Mais en même temps, tout ça, c'est pas très important, c'est des détails. Moi, je tourne en 35 mm comme je tourne en DV. La question, c'est le geste, quoi. C'est qu'à un moment donné, la caméra DV permet un type de geste, la caméra 35 en permet un autre. Mais au fond, le socle... La nature profonde du geste est du même ordre. Quoi. Par contre, moi je tourne sans arrêt. Quand j'ai tourné La Vie Nouvelle, pendant les 6 semaines de tournage, je tourne quasiment sans m'arrêter. Et je tourne donc en 35 et en DV. C'est-à-dire quand j'ai fini de tourner en 35, je tourne en DV. J'avais par exemple, je ne sais pas, peut-être probablement 60 ou 70 heures de roche DV, donc je n'ai pas utilisé une seule image, mais c'est comme une espèce de pratique comme ça qui fait que les choses apparaissent dans le geste même qui tente de les saisir. Quoi. Il n'y a pas de. Dans la façon aussi dont le film est construit, dans la manière dont je travaille avec les acteurs, avec l'équipe technique, tout ça, au fond. Défait ces questions de DV de 35, voilà, c'est des questions essentiellement d'énergie, je crois, de désir et d'énergie. Et donc, le principe du film, c'était comment dire, enfin, je veux dire, est-ce que de ta part, c'était tout à fait intentionnel et délibéré de faire le film le plus radical qui soit, et je reprends le terme radical du texte de Dominique Font, parce que voilà, s'il a choisi La Vie Nouvelle, c'est probablement pour ça, enfin s'il a choisi
que ce film fasse partie de ce colloque comme d'un exemple. Je pense que c'est pour son radicalisme absolu. Donc de faire le film le plus radical qui soit à tous les égards qu'on puisse imaginer, et quand même de l'inscrire dans une perspective qui était une perspective commerciale. Enfin, est-ce que ça, tu l'as pensé en termes de provocation, ou est-ce que c'était une évidence Non, c'est pas en termes de provocation, je crois que c'est parce que pour moi, de façon assez simple, comme ça, le cinéma, la salle de cinéma, c'est quelque chose de très important. C'est pas. C'est souvent, enfin, pas mal de gens, après avoir vu La Vie Nouvelle, me disaient mais pourquoi ça serait peut-être plus juste dans le champ du musée ou de l'art contemporain ou de la galerie ou, mais en même temps, moi, j'arrive pas à penser cette question-là, en tout cas pour ce film, de cette manière-là. Je crois que la salle de cinéma, pour moi, c'est un endroit. Un dispositif déjà particulièrement puissant, enfin, qui inscrit déjà la possibilité d'un certain type d'image et une certaine disponibilité comme ça, d'accès, de suspense, d'attente à l'image, qui me convient tout à fait. D'une part, et d'autre part, je pensais que c'était juste que le film s'affronte ou se confronte à. Il est sorti de la UGC, Ciné-Cité Les Halles, donc. À côté des blockbusters américains et j'avais envie, moi, que le film existe à cet endroit-là, qu'il soit pas justement dans une. Alors bon, effectivement, c'était pas facile probablement, mais pour moi, ça avait du sens que ça soit à cet endroit-là, quoi. Mmh. Oui, non, c'est essentiel parce que ça justifie l'existence même du petit commerce cinématographique, comme disait Godard, que de permettre. Voilà, à des films de ce type d'exister quand même, à un moment dans l'espace public, bien sûr. Ouais, non, c'est une chose qui donne confiance, quand même. Oui, ça donne confiance. C'est pas facile, c'est compliqué de faire du cinéma, mais bon, ça a toujours été compliqué. Je pense pas que ce soit forcément plus compliqué aujourd'hui qu'hier. Enfin, on a toujours l'impression de croire qu'aujourd'hui c'est plus dur qu'hier, c'est pas vrai, c'est pas plus dur qu'hier, et puis ça a toujours été dur, et puis le monde il est toujours résistant, il est toujours contre le monde il veut pas de ça, le monde il veut ce qu'il sait d'avance, il veut là où il n'y a pas de risque, pas de danger, là où il y a la quotidienneté, l'habitude, la répétition, il veut une forme d'aliénation le monde, il veut pas une phrase qui tout d'un coup déploie une toute autre possibilité à la fois narrative, émotionnelle. Il veut quelque chose qui soit déjà inscrit, et donc c'est une vieille histoire, quoi. Je ne sais pas. Je pense que d'une certaine façon, la question c'est de savoir si on est au combat et comment on soutient ou pas ce combat et quel sens ça a par rapport à sa vie, ce combat. Tu me posais la question pourquoi on fait du cinéma. Probablement c'est pour ça. C'est pour que je te répondais, quoi. C'est-à-dire c'est pour être vivant, quoi. C'est-à-dire pour être en vie dans la vie vivante, pour être en vie là où la vie est entendue, quoi, avec toute sa complexité, toute sa bêtise, toute sa difficulté, mais en même temps toute la joie aussi de la présence des choses. Je ne sais pas, là à Paris c'était absolument magnifique, il y a deux mois, le printemps, les fleurs, au Jardin des Plantes il y avait des fleurs, des coquelicots, absolument d'une beauté mais prodigieuse, quoi, mais qui était là, juste donnée dans le jour, dans le soleil. Voilà, le cinéma, il est là pour aussi pouvoir filmer un champ de coquelicots, pouvoir filmer un arbre, les marronniers. Ça doit être aussi ça, le cinéma. Ça doit être aussi cette possibilité-là de pouvoir projeter simplement la puissance comme ça de présence d'un champ de coquelicots sous le soleil. Sans qu'il y ait nécessairement la soumission à une forme comme ça assommée de la narration. C'est sans que ça passe forcément par la psychologie des personnages, par la question même du personnage, par toutes ces questions-là, je ne sais pas, me semblent d'un autre âge, vraiment d'une autre époque. D'une autre époque. C'est comme si le cinéma s'était arrêté. Il y a longtemps, mais en même temps c'est pas grave parce qu'il a une très grande vitalité, il a une très grande force, il est absolument pas mort, il existe de façon magnifique partout. C'est pas du tout, moi je suis pas du tout dans la nostalgie de quoi que ce soit. La mort m'intéresse pas, enfin pas du tout, c'est aucun intérêt.
La mort du cinéma, en tout cas. La mort, de manière générale, n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est... on sort, là-dehors, il y a les rues magnifiques de Barcelone, le son, je sais pas, c'est avec ça qu'on devrait faire les films, pas avec de mauvais règlements de compte sur une psychologie besogneuse qui finalement raconte toujours les mêmes histoires. Enfin, le cinéma est plus fort, beaucoup plus fort. Il suffit de regarder les films russes. Faut voir la Terre, enfin pour voir quoi, ça, c'est beaucoup plus puissant. Quoi, ça, c'est comme les pommes de terre de Van Gogh, quoi. C'est là, c'est devant, c'est impeccable. Tout le reste, on s'en fout. En écoutant tout à l'heure, Rosé-Louise Guérin, qui parlait donc de. De Chaplin, de Renoir, de Bazin, je me disais que voilà, pour se présenter à quelqu'un, enfin, le cinéma, ça sert, une fois qu'il est fait, pas du point de vue du cinéaste, mais du point de vue du cinéphile, une fois qu'il est fait, ça sert beaucoup d'objet transactionnel. C'est-à-dire, voilà, parce que quelqu'un aime le même cinéaste que soi, on va aimer cette personne. Et alors, donc lui, il aimait des choses que j'aimais, alors j'avais envie de le connaître et de voir ses films. Et alors, est-ce que toi, tu peux nous dire d'où tu viens, parce que on se disait tout à l'heure que voilà, on allait vous montrer un petit bout de La Vie Nouvelle, et puis vous alliez croire que peut-être c'était un film hyper techno, et que quand même tous on vient de la même cinéphilie qui est le grand néo-réalisme, la nouvelle vague évidemment. Oui, il y a des auteurs comme ça qui sont tellement d'une telle puissance. Quoi. Enfin, je pense à Murnau, à Dreyer, bien évidemment, mais Murnau, je crois, pour moi, est un des cinéastes majeurs quoi, qui a eu à la fois une vision politique et en même temps une vision incroyablement puissante quoi, des enjeux esthétiques du cinéma. Mais, le cinéma russe, mais aussi le cinéma Mekas ou Braquage. En fait, dans cinéphile, moi je ne suis pas tellement cinéphile, mais ce que j'aime bien dans le mot cinéphile, contrairement à cinéphis, c'est pas pour faire un règlement de compte à Serge Danet, mais dans cinéphis, il y a une forme de soumission comme ça à la loi du père. Il y a une question sur la transmission d'une forme de filiation, donc d'une forme de jugement. Deleuze, il disait une chose très belle, c'est qu'il n'aimait pas les philosophes du jugement, même s'il avait beaucoup de respect pour Kant. Il préférait Nietzsche, parce que dans Nietzsche, la question n'est pas sur le jugement. Et au fond, moi, je pense que j'aime pas non plus le cinéma qui renvoie à la question du jugement. C'est pour ça que je préfère cinéphile, parce que dans cinéphile, il y a la racine de l'amitié, de la filia, de ce qui fait finalement la possibilité d'être ensemble avec autrui et d'être dans le monde, quoi, d'être vivant dans le monde. Quoi. Donc je préfère largement la question du cinéphile à la question du cinéphis. Le cinéphis m'assomme. Et en plus, je pense qu'il correspond à quelque chose d'assez précis dans les mouvements de la critique française. Mais bon, c'est peut-être pas le sujet du débat. Mais voilà, pour répondre à ta question, bien sûr, alors Renoir, bien évidemment, enfin, c'est... Mais c'est assez, c'est aussi au-delà du cinéma. C'est aussi le Greco, c'est aussi Goya, c'est aussi. Attends, je t'interromps deux secondes parce que j'ai écrit là. Tu vois, tu peux vérifier sur mes notes. il fallait que j'explique à un moment, puisque j'avais entendu le faire les présentateurs, la nature du duo que nous formons. Donc tout à l'heure c'était une paire. Et moi, je voulais dire que la nature du duo que nous formons, c'est celle, bien sûr, vous l'aurez compris, entre un admirateur et son idole. Et j'ai dit, et pourquoi c'est, j'ai l'impression de étant à Barcelone et me promenant avec toi, j'ai l'impression de me promener avec Goya ou avec le Greco. Ah bah écoute, c'est les mêmes. Et on n'en a jamais parlé ensemble, mais c'est non, ça. Non. Mais Goya et le Greco, c'est magnifique. Enfin, je veux dire que le cinéma ne se limite pas au cinéma. Voilà, c'est un peu ça que j'essaie de dire. Ça. Mm-hmm. Que le cinéma, il est aussi vivant chez le Greco, mais il est aussi vivant, par exemple, chez Trakl. Enfin, je pense à Trakl parce qu'il a une capacité incroyable de saisir des images colorées, enfin, il y a une couleur constante.
Donc le cinéma, il est déployé largement dans des aspects multiples, quoi, qui ne sont pas seulement ceux de, strictement liés au support filmique ou à la pellicule. Quoi. Mmh. C'est un geste, le cinéma, je ne sais pas comment vous dire. C'est une façon d'être là, quoi. C'est une inclinaison, c'est une manière de vouloir ou de pouvoir, ou d'essayer en tout cas de désirer les choses et le monde. C'est une histoire profonde, quoi. C'est une histoire profonde, mais plus j'avance comme ça dans le temps et dans l'âge, c'est pour ça tout à l'heure je vous disais ça, parce que maintenant ce qui m'intéresse, c'est vraiment des œuvres qui sont ouvertes, quoi, qui sont ouvertes et pleines d'énergie. Et ça m'assomme, tous ces discours comme ça, très consensuels sur... On n'a pas de temps à perdre avec ça. Il faut faire les films qu'on a à faire, comme on peut, comme en 35 en DV, on s'en fout, en Super 8, peu importe, je veux dire. Il faut juste que le geste soit accompli dans sa totalité, dans sa plus grande plénitude, dans sa plus grande intensité, dans son plus grand désir, que le geste soit absolument porté, quoi. C'est ça la vraie question. Et que si on ne peut pas le porter, ce geste, alors il ne faut pas tourner. Il ne faut pas tourner pour tourner, pour fabriquer comme ça des espèces d'objets culturels... pour l'industrie cinématographique, il faut tourner parce qu'à un moment donné, voilà, ouais, il faut filmer des pommes de terre ou un champ de coquelicots ou un visage ou au contraire une montagne. Et puis voilà, on les met ensemble et tout d'un coup, ça nous donne une émotion gigantesque. Quoi. Là, je lisais ce matin le texte de Walser, La promenade, que vous connaissez sûrement, et c'est vraiment magnifique. Voilà. Alors, je me disais tout à l'heure que, en fait, nous, on ne savait pas qui était là, qui était l'audience de ce congrès, etc. Donc, on s'est aperçu que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup des étudiants. Donc, je suppose qu'ils veulent, enfin, qui sont de toute façon cinéphiles, mais qui veulent sans doute, pour certains d'entre eux aussi, faire des films. Alors après, on peut faire comme pour, tu sais, Rilke, donc qu'est-ce que tu enverrais comme lettre à un jeune cinéaste. Ça, enfin, la seule chose, ça serait ça, quoi, de pas... C'est un peu naïf de dire ça comme ça, ou un peu immense, quoi. Ça serait, au fond, d'une certaine manière, de jamais céder sur ce qui fait qu'à un moment donné, on est en chemin pour faire un film, quoi. Voilà, et que le cinéma est un combat d'une très grande sauvagerie, enfin, d'une très très grande violence. Et je pense que c'est très bien qu'il le soit. Je pense que s'il n'y a pas ce combat-là, il n'y a pas de film, d'une certaine manière. Le film a besoin d'une charge, enfin, pour reprendre comme ça une espèce de métaphore tauromachique, quoi. Enfin, il faut que ça charge, quoi. Il faut que ça vienne dans la main, quoi. Sinon, il n'y a pas de film. Et la charge, c'est à nous de la construire. C'est ça la mise en scène, finalement, si je devais définir ce que c'est au plus juste la mise en scène. La mise en scène, probablement, c'est la décision que l'on prend sur la nature de la charge. Alors, on peut vouloir que cette charge soit extrêmement intime, de nature très particulière, très psychique, au fond. Mais on peut aussi vouloir que cette charge soit avec le monde, avec le pouvoir, avec l'argent. Moi, j'ai pas de critique à faire sur le cinéma hollywoodien. Je pense que c'est absolument formidable qu'il soit là, dans tout ce qu'il peut avoir d'assommant, d'abrutissant, de violent. C'est formidable. Il faut que ce cinéma-là soit là. Il faut qu'il y ait braquage aussi. Il faut que les films soient faits de tension. On parlait de ça l'autre jour. Un film a besoin. C'est comme le courant électrique, quoi. C'est des différences de potentiel qui font passer l'énergie. Il faut qu'il y ait un potentiel bas et un potentiel haut, sans jugement de valeur. Mais il faut des différences de potentiel. Et il faut que ces différences soient extrêmement importantes. Et encore une fois, c'est ça la mise en scène, probablement. C'est de définir avec quoi on va combattre, quoi. Donc si je devais donner pas un conseil, mais...
tout cas des gens qui veulent faire du cinéma, je pense que le premier travail, au fond, d'une certaine façon, c'est d'abord de comprendre, enfin, ou de le ressentir, pas de le comprendre, mais de le ressentir avec le corps, enfin, de savoir où c'est le combat qu'on veut mener. Et avec quoi on va le mener? On va le mener avec quoi? Avec sa main. Parce qu'on le mène avec sa main, le combat aussi. On le mène avec le corps, on le mène avec le sommeil, on le mène avec des bouts de rêve, on le mène avec des choses comme ça qui viennent, on ne sait pas d'où. Enfin, mais c'est ça qui doit être saisi, quoi. Saisi et retravaillé, voilà. Mais d'ailleurs, pour prendre le à minima ce que tu viens de dire, Eisenstein disait que, tu sais, il était à la fin de sa vie, il a fait des cours au VGIK, donc à l'école de cinéma soviétique. Et donc on devenait cinéaste au bout de 3 ou 4 années d'études, mais les premiers 6 mois des études, c'était faire de la gymnastique. Ouais, c'est ça. Pour apprendre à porter une caméra, je sais. Mais c'est important de savoir cadrer. Enfin, je pense que c'est vraiment important, là, pour le coup, si on est cinéaste. Moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez faire du cinéma, de cadrer, quoi. Même si après, vous mettez la caméra sur pied à 1 mètre du sol, comme au zoo, au 50 mm, et vous faites des films sublimes. On peut faire des films sublimes, bien évidemment, comme ça. Mais je pense que de cadrer, enfin, d'avoir cette perception du cadre, cette perception très concrète de la focale aussi, des focales, c'est très important. Tous mes films sont tournés au 50 mm ou au 40 mm. Il n'y a qu'une différence de 10 mm sur la focale. Bon, par exemple, Bresson, il tourne tout au 50. Mais cette question de la focale est décisive parce qu'elle détermine une distance avec l'acteur, avec le corps de l'acteur, une distance particulière. Elle détermine aussi une nature sur le point, une nature sur la perception, sur la façon dont le corps occupe l'espace. Les questions de focale, les questions de format sont décisives sur le cinéma, pour le cinéma. Et je crois que c'est important, si vous faites un peu, voilà, si vous avez envie de faire du cinéma, d'en savoir quelque chose de tout ça d'une manière ou d'une autre, quoi, mais de vous l'approprier en tout cas. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une séance de Sokourov très très bientôt, mais en même temps, je ne sais pas, peut-être quelqu'un a une question à poser quand même. Il ne faudrait pas frustrer qui que ce soit. Oui. Je ne vous entends pas, désolé. On n'entend pas très bien et je ne sais pas si quelqu'un a un micro. Est-ce qu'on est totalement abandonné? Voilà, un micro arrive. Un micro arrive, formidable. Donc, il y a le protagoniste, Joël Tenaglio, dans le film. Il est hongrois et très important acteur en Hongrie maintenant. Et je voudrais demander Joël Tenaglio. Joël Tenaglio. Le acteur. Joël. Joël Tenaglio. Dans mon film? Si, oui. Ah, je ne le connais pas. Non. Mais peut-être qu'il est là, il est peut-être apparu. Non, c'est il y a là-bas, dans le programme, j'ai vu. Mais peut-être qu'on comprend mal, excusez-nous. Oui, sûrement. Peut-être que c'est parce qu'on est... Attendez, vous pouvez le dire en espagnol, comme ça on... Non, je ne peux pas dire en espagnol, c'est... Nadj. Oui, je suis hongroise et je dis Nadj parce qu'en Hongrie, nous disons Nadj. Moi, je ne parle pas l'hongrois, je suis désolé, absolument, oui, Zolt, absolument. Zolt, oui. Ah, vous dites Zolt. Zolt, Nadj. D'accord. Nadj, Zolt, nous disons. Très bien, oui, Zolt. Moi, je disais Zolt bêtement. Avec l'accent français. J'ai la question, pourquoi vous avez choisi Joël et de où vous avez connu lui? Je l'ai vu jouer à Paris, à Wojciech. C'est un acteur d'une troupe d'Arvad Schilling. Voilà. Et ils sont venus à Paris jouer Wojciech. Et j'ai vu cet acteur qui m'a totalement fasciné, dont je suis tombé absolument fou comme ça, de désir de tourner, quoi. Et donc je l'ai rencontré, il a vu Sombre et il a accepté de faire le film. C'était aussi simple que ça, quoi. Mais c'est vraiment une rencontre
et un très très grand désir que j'ai eu de le filmer. Au départ, je ne pensais pas du tout à un acteur pour jouer ce rôle, je ne pensais pas à un acteur si jeune, je pensais à quelqu'un de plus âgé, mais bon, finalement, ce n'est pas très grave. Mais voilà. Je signale que, donc, on a, bon, comment dire, la communauté des cinéphiles français, mais plus large que ça, parce qu'il y a des contributeurs australiens, américains, etc. Donc on a été tellement frappés, saisis, bouleversés par le film de Philippe, qu'on a, eu envie, mais c'était un désir totalement soudain, d'écrire un livre dessus. Et dedans, donc dans ce livre collectif La vie nouvelle, nouvelle vision, il y a un article d'un autre cinéaste, un jeune cinéaste grec, qui s'appelle Stratis Voulioukas, et qui porte justement sur cette question donc de la troupe dont fait partie cet acteur, de ce qui en a été montré en France, hein, et de la tradition théâtrale dans laquelle son jeu s'inscrit. Et c'est un très très bel article, un des vraiment. Et Zolt, enfin, excusez-moi de la prononciation, mais Zolt était un acteur incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'invention constante, chaque prise n'est pas la même, il a une présence magnifique. Et c'est un grand, grand acteur, vraiment. Il y a d'autres questions, si vous souhaitez. En tout cas, c'était une belle question, je trouve. Oui, pointue. Oui. Et en plus, on a appris quelque chose. Oui, appris. Il faut que je me mette au hongrois, sur le champ. C'est ça, l'Europe. Ouais. C'est que l'Europe, c'est ça. C'est, tu viens à Barcelone et tu apprends comment on prononce le hongrois. Ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment l'Europe. Voilà. Donc il n'y a pas d'autres questions. Bah, j'espère que vous irez voir le film tout à l'heure en 35. J'espère qu'il sera en 35. Normalement, ça devrait être bien, parce que là, c'était vraiment pas très bien. Mais ça vous donne une idée. Voilà. Bah, Philippe sera là pour le présenter à nouveau tout à l'heure avec Domenech. Merci beaucoup. Merci, là, c'est Nicole. Sokourov. Merci.